Cédric Kanté, ancien international malien, fait comprendre que le Mali, son équipe, le Mali, va largement sortir des poules. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rebondir sur le propos de Cédric Kanté. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Cédric Kanté nous fait savoir que le Mali va largement sortir des poules. Je rappelle, le Mali est dans la poule E composée de la Tunisie. Donc, on a Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie. Est-ce que c'est une poule très facile pour le Mali? Moi, je ne suis pas sûr, les amis, parce que tu as la Tunisie, qui est un gros morceau. Ensuite, tu as l'Afrique du Sud, qui est un intermédiaire, une équipe très difficile à jouer. Et tu as la Namibie, qui peut déranger tout le monde dans cette poule. Donc, ce n'est pas une poule largement à la portée du Mali. Mais le Mali est quand même favori de la poule avec la Tunisie, mais ce n'est pas une poule largement. Après, on a vu des surprises à la CAN. On a vu l'Algérie se faire sortir au Cameroun. Se fait sortir pendant la phase de poule au Cameroun, la dernière CAN. Donc, tout est possible en Afrique, tout est possible. On a vu des petits poussés battre des gros. Franchement, on a tout vu. Le football, tant que tu ne gagnes pas tes matchs, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Cédric Kanté. Après, je le comprends, c'est son pays et tout, mais le Mali, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec Cédric Kanté? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!